Surprise du soir, bonsoir. Le vendredi, tout est permis. Flash mode numéro 2 sur ma plateforme. Flash mode numéro 1. Et 1 également. Alors, nous sommes retrouvés ce soir pour vous montrer déjà les vêtements Captain et la nouvelle collection et vous parler de nous. De nous. C'est ça, d'elle. Parce que moi, vous me connaissez. Ah non, mais je sais qu'elle me connaît. Mais non, je pense que chez moi, elle te connaît aussi, la bête. Ouais. D'ailleurs, ça commence à m'agacer si tu... Pourquoi j'ai ça, moi? On est sur 3 téléphones. Ah oui. Et tu touches à rien. Soit ça va revenir, soit on partagera. Ok. Oui. D'accord. Voilà, on est... Alors moi, je suis... Ravie. Parce qu'on vous parle de temps en temps de la Miss Team. Mais en fait, on fait partie d'un grand groupe, un groupe qui s'est agrandi au fur et à mesure en Ile-de-France, mais aussi sur toute la France. Exactement. Et ce grand groupe, dont la Miss Team fait partie, s'appelle les Révélatrices. Voilà. Alors, donc, j'ai envie qu'on commence par la dernière arrivée chez Captain. Ben oui, le bébé. Emmanuel, le avance bébé, notre bébé, et forcément. Dis-nous un peu qui tu es. Alors, voilà. Je suis chez Captain depuis 2019. Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, c'est ça. Ouais. 2019. 2018 peut-être. Avril 2019. Non, passe dans le champ, s'il te plaît. Je déborde. Raconte-nous, Emmanuel. J'étais cliente de Jessie. Bonne cliente. Et de qui? De Jessie. Ah, oui. Elle a dit. Jessie. Voilà. Et bon, les fringues me plaisaient, ça c'est évident. Et j'étais avec une copine hein, et on était toutes les deux à choisir des fringues. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais ouais, c'est super. Mais c'est ça. C'est super. Allez, on veut se lancer, on essaye. Et moi, et je me suis lancée. Qui non, l'avait décidé. Jessie est une top coach, j'avoue. Donc, tu étais cliente. Oui. Ah, t'en avais marre d'acheter? Oui, aussi. Tu as vu une fille un peu sympa qui s'appelle Jessie, qui est une super conseillère de mode, entre autres. Entre autres. Et ça l'a fait. Exactement. Et on est contente de t'avoir parmi nous. Ah, très contente même. Et on lui disait, avant qu'on connecte le truc, elle s'était métamorphosée. Elle est toujours lookée maintenant. Je sais pas comment elle fait, mais toujours elle lookée. Elle est belle. Elle est belle. Voilà. Et toi, Jessie, t'es qui? Ah, moi, je suis Jessie. Donc, moi, avance un petit peu. Donc, moi, je suis chez Captain. Tu sais, peut-être. Hop là, oui, regarde. Ouais, j'ai envie d'être au centre, là. Voilà. Donc, chez Captain depuis 7 ans. Donc, je suis pas à ton point, mais ça avance, ça avance. Oui. Et du coup, moi, j'ai démarré parce que les collections me plaisaient. J'avais envie de changer de job. J'ai fait 16 ans chez BNP Paribas, donc rien à voir. BNP Paribas. Ah, oui. Donc, si vous êtes chez BNP... Plus... Vous pouvez venir. Tout autre banque. D'ailleurs. Oh, Caisse d'Épargne aussi. La Poste, CIC. Et du coup, c'était plus pour moi. Donc, je me suis dit, autant vendre ce que j'aime vendre, des fringues. Et du coup, j'accompagne les femmes, effectivement, à se sentir encore plus belles. Ouais. Donc, notre Jessie, je peux vous dire, elle est comme ça. Et je crois que ça a monté une équipe. Oh, une petite équipe, on est 17. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Hein, donc, nous avons une très bonne conseillère de mode. Emmanuelle également, école Jessie. Et donc, animatrice d'une équipe également. Voilà, et pour celles qui ne me connaissent pas, mais je pense qu'à tout le monde, je pense que c'est bon. Peu. Ça m'agace, Babette. Ça m'agace, Babette, qu'elle ne me parle que de toi. Oh, moi, on me parle aussi beaucoup de Jessie. Ah, ça va, et d'Emmanuel. Ah, c'est bon, alors. Alors, on va arrêter de faire blablabla, mais vous l'avez compris, l'équipe est très, très sympa. Ouais. Si vous avez envie de rejoindre une des trois. Ou les trois. venez. N'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. La porte est grande ouverte et plus vous venez tôt, plus c'est simple, on vous dira pourquoi. Alors, que portes-tu, Jessie? Eh bien, moi, par exemple, j'ai la jolie chemise Stencil que j'adore. Alors, pourquoi je l'adore? Parce qu'effectivement, elle est souple. C'est du chewing-gum, en fait. Elle est top. Et mon petit top en dessous. Attention, déshabillez-moi. Vendredi soir, tout est permis. Je ne sais pas si vous voyez. Permis. Voilà, le petit top en dentelle, vraiment très sympa. Et alors, je recule pour que vous voyez le jean
flair. Donc, hop là, que je viens de recevoir sortir du sachet. Il est top avec effectivement le bout de jambe qui s'élargit, genre patte d'éléphant. Donc ça, c'est top. Et on est bien, on est bien, on est bien. Franchement, on est top. Et toi, Emma, tu portes quoi? Eh bien, en fait, la même chemise que toi, mais dans l'autre coloris, c'est-à-dire dans le gris. J'adore. Et bah pareil, hein, je vais dire la même chose, mais Tencel, hyper agréable à porter. Là, j'ai également mis ce petit foulard qui reprend un peu ses touches de gris et un petit peu de rose poudré dedans. Très souple, très, très agréable aussi. Hein. Avec un joli message. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, le message, je me rappelle plus. Le love, good vibes. Yes. Ok. Bonnes ondes, good vibes. Well done. Ça te va très bien. Voilà. Et donc, en dessous, j'ai rajouté ce petit t-shirt Java que j'apprécie énormément de par sa matière, puisque c'est du... Déshabillez-moi. c'est de la viscose, hein, il me semble. Elastane. Elastane, exactement. Donc, super agréable. Donc, en fait, on a ce petit... Petite patte, en fait. Ah, voilà, merci. Petite patte, effectivement. Petite patte, qui permet, on peut rajouter. Ou pas. Laisse-moi d'accord. Ou pas. Elle s'affirme. Voilà. T'as vu, là, et le jean avec la ceinture un peu comme ça. Asymétrique. Merci. Asymétrique. Ah, c'est bien, on sert à quelque chose. On t'explique encore des petites choses. Donc, ce jean asymétrique, qui est un bleu brut, donc qui amincit les femmes. Et bien sûr, les super baskets. On les voit, tes baskets, là? Non. On va les montrer de plus près tout à l'heure. On va les montrer, les baskets, c'est ce week-end qu'il est faux. C'est ce week-end, après, il n'y en aura plus. Ouais, c'est ce week-end. Quelle taille on fait de baskets? De quelle taille à quelle taille, vous vous souvenez? 36 au 41. Voilà. Hein, donc, c'est une première chez Captain. J'ai bien appris ma leçon. Hein, mais c'est une première chez Captain. Donc, montrez-nous que vous aimez les chaussures, peut-être. Qui sait? Et t'as oublié de montrer ta petite tortue. Ah oui. Le petit détail qui tue. La tortue. C'est un pins. J'adore. Je le mets partout. Ah, moi, je démarre par la tortue aussi. Ben, ça, c'est l'emblème. Si vous êtes adepte de la marque Captain, il vous faut la tortue. De la marque ou de Babette. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez pratiquement la gagner parce qu'il y a une super OP qui a démarré. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout à fait. Ça vient de sortir et vous pouvez gagner un bon d'achat à dépenser tout de suite. De combien, les filles? 15 euros. Ouais. Pour. Vous voulez savoir comment? Comment? Pour 99 euros d'achat. Voilà, minimum. Vous avez le droit de prendre plus. Oui. Hein, oui. Et vous avez le droit de prendre moins, mais si vous voulez en profiter... Voilà, c'est le jeu du moment. Ben moi, j'ai fait comme les copines. Elles ont mis la surchemise en jean. Ben, moi aussi. C'est du lyocell. C'est un tissu qui est très confortable, qui est à base de bois. Donc, naturel. Naturel. Donc, c'est un tissu qui respire. Ah, super. Que vous dire d'autre? Donc moi c'est plutôt des couleurs intenses qui me vont. Donc j'ai mis un super petit carré qui est avec du rouge, du jaune pétant, le Radcou dans les couleurs silver de chez Captain. Je m'approche. On peut en mettre plusieurs. Hein. Exactement. Vous pouvez mélanger les coloris. Il y a du doré également si vous préférez du doré. Le petit basique, un des essentiels de la marque, décliné en 4 coloris. Ça, c'est nouveau. Et elles sont très soudées qu'elles ne se, qu'elles se sont pas changées. donc, je prends mon temps. Hein. J'ai aussi le jean frangé dont j'ai relevé j'ai fait un revers pour avoir la petite cheville dénudée pour l'instant, mais vous verrez, on peut se le porter aussi autrement. Et là, je me dis, elles sont pas encore prêtes et me voici face à vous. Alors, que vous dire?
mon bonheur de pratiquer Captain, leur bonheur, vous le voyez, ça se voit sur leur visage. On est heureuse de se retrouver. On est dans une actu un petit peu morose. Et vous voyez que quand on est together, quand on est ensemble, eh bien, on peut changer notre état d'esprit. Et donc, du coup, nos émotions. Et donc, du coup, les filles, nos actions. Et ça marche pour tout. Ça marche pour dans votre vie à vous, dans votre vie perso, dans votre vie pro. Et si vous êtes donc chez Captain, ça marche à puissance 100 ou même plus. Donc voilà, donc ça, la tunique, la surchemise que je porte, vous l'avez vu porter sur nous trois, c'est vraiment le vêtement indémodable à avoir. Je sais qu'il y en a qui les collectionnent. Donc, j'ai par ici, hello les filles, nous avons des collègues qui sont là, Catherine, nous avons Sandrine Carouche les filles, Catherine Marcy, nous avons Sophie, nous avons Odile, merci d'être là. Et là, je leur dis les filles, est-ce que l'une d'entre vous est prête? Car elles attendent, ou ils attendent, et je disparais. Nous voilà. Maintenant, c'est à son tour de se changer. Voilà. Tu commences, je commence? Bah écoute, je peux commencer. Allez, on y va. Donc, cette jolie robe avec un imprimé assez sympa. Un petit imprimé, des petites feuilles. Ouais. Des petites feuilles, effectivement, dans les tons de beige. Petite, enfin, c'est pas ceinturé, enfin, un petit peu ceinturé au niveau de la poitrine. Donc, c'est en fait vraiment une robe qui va à toutes les morphologies, qui est vraiment... hyper... toutes les morphos. La preuve en image. Donc moi, j'ai choisi de la mettre avec ce gilet que j'adore particulièrement. Oui, alors c'est... Il y a l'étiquette. Okay. Que j'apprécie particulièrement parce qu'il est hyper fin, hyper agréable à porter. Il a ce petit rappel au niveau des manches et sur le rebord qui, je trouve, va super bien avec cette robe. Et voilà, c'est un très joli décolleté d'ailleurs. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis fan de ça. Moi, je suis fan. Mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, lors de mon live, vous m'entendiez pas trop dans le jardin. Effectivement, il y avait les avions qui passaient. Je parlais pas assez fort, je sais pas. Ou elles avaient plus envie de m'entendre, en fait. Elles en avaient peut-être marre. Donc, moi, cette robe, je crois que ça va être la robe de ma saison, en fait. Bon, vous allez me dire qu'on va en recevoir d'autres. Mais celle-ci, vraiment, je suis fan, effectivement. La robe blouse qui est vraiment top. Jolie décolleté. Je sais pas si vous voyez, hop là, le petit fil... l'urex au niveau du décolleté. Cette veste qui fait fureur également dans les tons de bronze, que j'aime beaucoup. Et pour le coup, moi, je l'ai portée en mode décontracté. Alors moi, j'ai du mal à mettre les collants. J'attends toujours le dernier moment, donc je l'ai portée. Ah, et pourtant, c'est chez Capel, ils sont top. Hein. J'y arrive pas, là, j'ai mis des tongs. Hein, ouais, là, je peux ouais. Pas. Et puis, là, elle nous a sorti les tongs de compète. Ah, ouais. Les tongs moumoutes. J'ai enlevé le. Bon, j'ai le droit quand même de vous mettre mes baskets quand même. Donc voilà, donc cette robe a toutes les morphos. Et nous avons notre Babette nationale qui arrive avec. Oh la même! La oh, même! Incroyable! Et le même gilet. Le même alors, gilet. J'ai enlevé, c'était juste pour vous montrer la longueur des manches qui est un peu. Vas-y, approche-toi un petit peu. Oui, pardon. Voilà, qui arrive voilà, au niveau mi-bras, quoi, 3 quarts. Non, cette robe nous va très bien toutes les trois. Alors, moi, je me suis amusée à lui donner un petit côté un peu plus folk. Donc, en fait, j'ai le même cardigan qu'Emmanuel. Je le porte en haut, en bas. Donc, rendez-vous dans nos ateliers mode pour savoir comment faire, comment pratiquer. J'arrive pas à me concentrer. Et revenez quand vous voyez dans vos belles robes. Ah oui, elles doivent se changer. Donc, oui, il faut qu'on charme sans soutien-gorge. Voilà, j'ai gardé les bijoux parce que j'ai pas eu le temps de l'enlever, j'ai ajouté un sautoir maison. Et donc vous voyez que cette robe, quand ce sera l'hiver, ben on pourra mettre des collants opaques, des bottes. Allez-y, c'est bon. Merci chef. Et donc le cardigan, c'est une tuerie ce cardigan. C'est vraiment de la douceur, c'est fin, c'est un cardigan bijou, vous pouvez le mettre à toutes les sauces. Donc là, je vais vous l'enlever. Vous voyez, quand vous voulez avoir quelque chose de court, deux petites pointes ici qui vont faire le lien entre le haut et le bas, n'hésitez pas
à le mettre en haut, en bas. Vous avez sûrement des cardigans chez vous, vous pouvez faire ça. Avec ceux de Captain, c'est tout à fait possible. Je fais une taille 42, je porte la robe en 42 et je porte le cardigan en taille 2 pour pouvoir profiter de toute l'ampleur du cardigan. Je vous le montre dans l'autre sens. Voilà, pour celles qui préfèrent le porter un petit peu plus long. Et donc, là aussi, ça le fait, ça va donner encore un autre style. Vous avez vu qu'elle le portait avec des baskets, qu'elle le porte, on peut le porter avec des talons. Vous pouvez lui donner un côté très sophistiqué. Voilà, je remplis les blancs, Hein. On n'a pas travaillé les enchaînements, vous voyez, selon les groupes avec qui je suis, pour celles qui me suivent, dans les différents flash mobs, chaque ambiance est différente. Elles sont super sympas et vraiment, c'est, pour nous, c'est un régal de vous proposer ces instants mode et on n'a qu'une envie, vous donner envie de le prolonger. Alors, comment on fonctionne? Vous êtes en Île-de-France, vous contactez votre conseillère mode attitrée et vous prenez un petit rendez-vous mode avec elle, avec vos copines. Vous allez pouvoir bénéficier des 15 euros de réduction, donc par exemple, cette silhouette, moins 15 euros et vous allez avoir la bonne humeur, etc. D'ailleurs, ça y est, elles sont derrière moi. Je vous dirai les autres façons de faire après. Elles sont trop belles. La robe vient d'arriver. Celle-là, elle va partir direct. Ah, je viens de la recevoir. Je la sors du sachet. Pardonnez-moi pour les petits, le nombre passé. Donc, effectivement, je l'adore. Pareil, j'ai sorti les petits baskets. Donc j'adore effectivement, effectivement la petite robe en jean tencel. Elle est un petit peu plus épaisse effectivement que la veste de tout, enfin que la chemise de tout à l'heure. Mais je l'adore et même avec les petits collants opaques, ça va être bien sympa. Et on est assorti, hein, regarde. Ouais. On tu est portes quoi dans toi les bleus. Alors moi je dans les bleus aussi. Ah, il y a encore le petit papier. Oh, bon, ouais, ça sort du sachet toi aussi. Ça sort du sachet aussi. J'ai gardé le jean que j'avais tout à l'heure sur la première silhouette. La première silhouette. Jean, encore une fois, que j'adore. Moi, je le porte en 36. Moi, je ne donnerais pas ma taille. Hein. Voilà. Donc, il y a des lastanes, on est quand même vachement bien dedans. Comme tous les jeans. En fait. Tous les pantalons Captain sont très, très confortables. Et donc, par-dessus, j'ai mis cette petite veste dans un bleu perso que j'adore, qui est un faux-dain. Un simili-dain, oui. Simili-dain. Ça passe à la machine. Ça, c'est top, quand même. C'est pareil, c'est du chewing-gum. Ouais, c'est tout doux. C'est hyper agréable, très confortable. Et en dessous, j'ai choisi de mettre cette blouse avec des poches plaquées dessus. Voilà, petite poche. Bon, Émilie vraiment... dit qu'elle te va très bien, cette veste. Merci. Je te fais le compliment, hein, parce que tu as vu, moi, elle ne me l'a pas dit hein, qu'elle m'allait bien, la robe. voilà, donc petite blouse avec des boutons devant, mais en fait, c'est une blouse, hein, donc ça ne s'ouvre pas. Sinon, ça serait une chemise. Exactement. Voilà, et voilà, donc qui arrive mi-fesse. Oui, parce qu'elle est plus longue derrière que... Excuse-moi de t'avoir caressé les fesses. Non, elle est plus longue derrière. Entre nous. Personne, on est qu'entre nous. Il n'y a personne. Non, non, je pense que personne ne m'a vu là. Non, c'est pas. Vous avez donné un peu les tailles que vous portez. Alors, oui, Emma, oui, moi, je me fais joker. La taille du jean. Donc, le jean, c'est du 36. La blouse, c'est du 38, il me semble. Ah, elle est sur le côté. Donc, côté. Bon, 38, je crois. Et la veste, c'est du 38 également. Voilà. Je la remets quand même parce que ça fait mieux. Ça fait mieux. Oui, donc, non, c'est au niveau des manches, hein, c'est vraiment des manches. C'est des manches-manches. Voilà, je remets la veste. Alors, vous en êtes où, les filles? Voilà, moi, j'arrive dans le thème des bleus. C'était cool, c'est oui, deux. Mais bon. On est belles, en plus, on a les mêmes baskets. Ah, j'ai gardé mes tongs. Et c'est pas ma paire. C'est pas ma paire. Je sais pas à qui je vais. Les ai prises parce que ça doit être télé. J'ai mis ces chaussures. Bon, si vous en prenez, j'en fais les chaussures. Part, hein. On va vous les montrer de près ces baskets. Si, ah ben voilà, elle va nous enlever. J'accepte de me déshabiller pour vous. Regardez. Ah, c'est même une petite chaussette. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ben oui, oui. Regardez cette jolie paire de baskets princesse. Bon, moi, c'est des 41, hein, c'est des grands pieds. Hein. Hop.
là, regardez. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Elles sont différentes, pied droit, pied gauche. Enfin, venez nous voir, demandez un rendez-vous visio, WhatsApp, Messenger, rien que pour vous, pour vos copines, et on vous dira tout. Alors, donc, je trouve qu'on est bien, là, tout ensemble, tout en bleu. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis une tenue à la cool, parce qu'on est des filles. Là, on est cool. Voilà. Les baskets, je peux vous dire, on est super bien dedans. Hein, moi, je suis très basket plateforme, et celle-ci, franchement, avec ça, vous allez n'importe où, vous êtes bien, vous êtes mode. Et c'est simple, quand une tenue simple et des petites baskets sympas, ça le fait. Exactement, hein, ouais. Plus le petit bijou, parce qu'on est des femmes et qu'on aime les petites choses raffinées. Voilà. Que vous dire d'autre? On retrouve la chemise jean Lyocell que j'ai portée en noir tout à l'heure, que je vous ai mis en bleu. Et vous avez vu que la robe qui vient d'arriver aussi est comme ça. Elle est un petit peu plus claire en tonalité. Et puis en dessous, je vous ai mis le fameux t-shirt que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que l'hiver n'est pas encore complètement là. Donc, on a aussi, vous voyez, des petits t-shirts à vous proposer. Je suis en train de voir que j'ai gardé mon soutien-gorge noir. C'est mieux si vous mettez des couleurs chères. Et quoi donc? Oui, parce qu'une vague de chaleur est annoncée. Donc, je vous engage vraiment à prendre encore des petits t-shirts. Et dites-vous bien, moins 15 euros ce week-end pour tout look qui vous fait plaisir, que vous commandez alors soit par la boutique en ligne, soit par le biais de votre conseillère attitrée. Et un petit conseil, avant de valider votre panier, demandez conseil à votre conseillère sur les tailles. C'est très très important, comme ça nous on connaît la taille de nos vêtements et on pourra vous conseiller au mieux. Voilà, j'espère que vous aimez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est des print écrans quand vous nous voyez en tenue et nous l'envoyer et nous dire je veux ça, et ma copine veut ça, et mon autre copine elle veut ça. Et puis vous partagez ce flash mob, et voilà, elles arrivent discretos. Je me fais toute petite dans des robes magnifiques, je m'efface. Alors celle-ci, on vient de la recevoir, effectivement, c'était dans la story Black in the City, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'était Black, Black, la toute première, Black and White, en fait. Black and White, merci Emma. À deux cervelles, on s'en sort mieux. Oui. C'est la force de l'équipe. C'est ça. Tout à fait. Plus on est, et mieux c'est. Parce que ensemble, on va plus loin. Exactement. Et tout seul, on s'arrête. On s'arrête net. Donc effectivement, elle est... Bon, arrête les bêtises, Jessie. Celle-ci, elle est vraiment top. Je viens de la recevoir pareil. Je la sors du sachet. Alors, elle fait assez... working girl, je trouve. Avec les chaussettes, c'est top. Ah oui, avec les chaussettes, vous aimez bien? Oui, je voulais m'enfiler les baskets, mais là, c'était un petit peu trop. C'était un petit peu trop. Elle va piquer mes baskets. J'espère que t'as les pieds propres. Donc, elle est très, très, très agréable à porter, mais je la vois bien avec un collant. C'est quelle collection? Enfin, c'est dans la Black ouais, White, c'est la story. C'est la story. Mais c'est du mi, c'est du trait. Ah, non, c'est story. En fait, d'accord, c'est story. C'est story. Ouais, okay. C'est story. Donc, du coup, effectivement, avec des petites bottines et un collant en pack, parce que nos collants en pack chez Captain, c'est du bonheur. Elles, ils sont amincissants. Et repulpe les fesses et hop là, bon moi j'ai pas besoin de ça mais à amincissant oui pourquoi pas. Donc ils sont vraiment top, franchement c'est un vrai bonheur, donc si vous les avez pas testés, essayez-les. Et toi non? Alors moi j'ai craqué pour cette petite robe qui te va chez Little Miss. Little Miss, donc ça va de 6 ans jusqu'à maintenant, depuis cette année simplement jusqu'à XL, hein, fois 42. Donc 42, bon mais 40. Ça commence à partir de 6 ans, donc si on a envie de se faire un délire fille-mère, c'est génial. Donc cette petite robe, hyper agréable, j'adore ce mouvement qu'on a sur le devant avec ce print un peu différent. Voilà, alors là je la porte en XS, j'avoue, c'est un peu voilà, serré. Quand je vous dis qu'elle fait la crâneuse depuis tout à l'heure. Oh, mais ça suffit, hein. Et non, du S ce serait top, mais parce que ça me sert quand même un peu là. Mais ça ne se voit pas. Mais c'est peut-être qu'à l'image, effectivement, non, ça ne se voit pas. Tu fais une illusion, Emma. Mais je sens que je suis un peu... voilà.
Voilà, que dire, non, cette petite robe est top et en hiver avec effectivement des collants opaques et des bottes, des petites bottines. Oui, ou des bottines, ou des bottes noires, franchement, nickel, petite veste noire, éventuellement une petite veste orange. Ouh, quel joli foulard. Un foulard. Il est plutôt dans les tons roses. Voilà. Hop. C'était pas prévu. C'était pas prévu. On voit l'étiquette. Les aléas du direct. Voilà. Vous êtes comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, non, cette petite robe, elle fait son effet quand même. Hein. Voilà. Ouais, oui. On a tout envie de la voir, cette petite robe. Hein. Elle est bien pensée. Ouais, non, elle est chouette. Ouais. Elle est bien coupée. Enfin. Et là, je trouve qu'elle allonge la silhouette et vraiment, elle, est, elle a quelque chose. Quoi. Mais celle de Jessie, elle est pas mal aussi. Mais tu as quand même un peu de compliment pour moi, parce que là, il n'y avait que pour toi. Moi, j'appelle ça aussi la valeur sûre. Oui. Jessie ou la robe? Les deux. Tu l'as déjà présentée? Oui, je l'ai déjà présentée. Oui. Donc, Babette, à toi. Alors, moi, je sais pas, là, j'ai gardé les baskets, finalement. Je sais même plus ce que je porte en mama. Donc, j'ai un jean, toujours le même. Cette fois, vous voyez, porté long. Donc, il n'est pas très long. Ce qui fait que si vous êtes grande, eh bien, vous avez déjà une longueur 7/8e où vous jouez avec le revers. Et si vous n'êtes pas très grande, eh bien, vous avez un vrai pantalon. Moi, je mesure 1m61. Pardon, je vous ai mis le t-shirt trend, la surchemise militaire, donc qui est vraiment là aussi, entre l'alliocel, celle-ci, voilà, une tenue, vous voyez, du week-end, puisque nous sommes en week-end. Maintenant, selon la chaussure que vous allez mettre, des petits escarpins, des petits bijoux, le chignon, le rouge à lèvres, eh bien, vous allez être prête pour sortir, etc. J'aurais pu prendre le sac, donc en jean, hein, nous avons un accessoire super sympa, donc vous voyez, ça fait un petit rappel avec le jean bleu, il a une bonne dimension, on peut y mettre tous nos petits trésors, et pendant qu'elle s'habille, donc je vous dis la suite de ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc, pour découvrir tous ces vêtements, le lien boutique en ligne, vous faites votre panier, vous transmettez à votre conseillère qui vous amène les petits conseils plus de taillage, de morpho. Vous pouvez aussi, bien sûr, prendre rendez-vous pour venir chez elle ou qu'elle vienne par chez vous. Et si vous habitez loin, c'est tout à fait jouable. On a vraiment l'habitude, on se donne un petit rendez-vous WhatsApp en image, on regarde votre morpho, vous envoyez une photo, on vous conseille au mieux et on passe commande pour vous ou vous passez directement par la boutique en ligne. Donc, nous avons chaque conseillère à sa boutique en ligne et on a plein de clientes qui ne sont pas que dans notre secteur, mais partout en France. La première fois, on fait connaissance. Et pour les hauts, c'est pas du tout un souci, c'est très facile à vous conseiller. Pour le pantalon, la première fois, peut-être on va faire une petite hésitation, et, mais après, tout est gagné. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit sac? J'adore. Tu l'adores, mon petit sac? Eh bien, je te le montre, si tu veux. Donc, voilà, en voilà une qui est pas... Regarde comme on est bien toutes les deux, là, dans les couleurs. Très belle transition, quand même. Très belle transition. Ouais. Donc, je vous laisse, Emmanuel. Bien que moi, ça y est, j'ai fini. Oui. Je te laisse faire la belle. Ok, salut. On est aussi dans le même, on est raccord. On est raccord. Ouais. Ah, j'en ai derrière parce qu'on est trop bien ensemble. Mais je trouve qu'à chaque fois on a fait ça très bien. Babette, toujours dans les mêmes tons, on a été parfait. Ouais. Ah ouais, mais celui-là, on n'avait pas. Enfin, moi, je n'y avais pas pensé. Bah oui, non, c'est vrai. Mais tu vois, dans l'impro. C'est ça, c'est la magie du moment. Exactement. C'est la magie du direct. La magie du direct, c'est voilà. Donc, raconte un petit peu ce que tu penses, peut-être, éventuellement. Alors, oui, éventuellement, je peux vous parler de cette petite blouse que j'ai mise aujourd'hui au bureau, j'avoue, et j'en ai eu que des compliments. Comment vraiment. Ça pourrait être autrement. Oui, non, c'est vrai. Bon, alors, super agréable à porter, ça, c'est c'est capé. C'est quand même pas rien. Voilà. Non, non, franchement, elle a un print qui est vraiment sort de l'ordinaire, qui est donc très agréable à porter parce que c'est de la viscose. Et ce pantalon, pareil, hyper souple, hein, c'est de l'enduit, mais franchement, on a l'impression d'être dans un legging. Hein, ouais.
Et il est super confort. Ah ouais, il vous plaît beaucoup. Ouais, non, vraiment, il est super confort. Voilà, que dire d'autre, je ne sais que pas. Que tu es sublime. Ah bah ça, c'est gentil. Ah, il y a plein de messages qui tombent. Ouais, on les voit. Après, oui. À trois, c'est très difficile de vous répondre dans l'instant. On voit que vous êtes très, très nombreuses sur les trois téléphones réunis. Donc, on va vous répondre. Ouais. Après, après. D'ailleurs, vas-y, j'ai envie de cette robe parce que j'adore aussi. Hein. Ah, moi, j'adore cette robe. Alors, elle est plus longue derrière que devant. Je ne sais pas si vous voyez. Ah ouais, c'est sa modernité. Voilà. J'ai mis des jolis talons. Je ne sais pas si vous voyez. Je recule. Rose poudrée. Ah, rose poudrée. Je suis grande du coup. Donc, effectivement, pareil, joli décolleté. Alors, robe portefeuille, effectivement. Bon, moi, j'ai un problème avec les manches. Je supporte pas d'avoir les manches longues. Donc, du coup, je remonte. Voilà. Mais en tous les cas, j'adore le décolleté portefeuille. Enfin, vraiment, j'adore. Je suis fan de cette robe. Tu es très sexy dans cette robe. Et... C'est vrai, je te plais, ma bête. Il y a un petit côté rétro et en même temps, cette asymétrie plus court devant et plus long derrière. C'est très bien pensé au bureau de style de Captain. Bravo le bureau de style de Captain. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de cette petite bague, effectivement, qui est juste sublime et qui va à tous les doigts. Donc, effectivement, elle est ajustable et elle est juste magnifique. Elle n'a pas de pantalon. Très bien. Nous, on continue. Oui, voilà, tout simplement, je l'adore. Donc cette bague, cette robe, effectivement, est juste sublime. Bon, après, moi, je suis très fan des robes Captain. Je trouve qu'elles font une très jolie silhouette. Le tout est de prendre, effectivement une robe qui va à votre silhouette. Mais beaucoup de robes chez Captain vont à beaucoup de silhouettes. Tu es d'accord avec moi, Babette? Attends, je regardais s'il y avait une poche dans le sac. Ah, tu voulais récupérer quelque chose? Il y a une petite poche dans le sac, petite poche secrète. Très bien. Et regarde, ça irait bien aussi. Ah oui, aussi. Regarde. Mais oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une petite touche de bleu. Si tu t'approches, elles vont voir qu'il y a du bleu dans la robe également. Voilà, donc nous sommes aussi leaders d'équipe, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Et nous avons souvent des nouvelles candidates qui se disent, tiens, et pourquoi pas moi? Pourquoi je ne m'amuserais pas moi aussi à rejoindre l'aventure Captain? Je me sens grande. Tu te sens grande, je me sens très petite, mais joyeuse. Et alors, en ce moment, il y a une super opportunité. Reste avec moi deux secondes. C'était ta dernière tenue? Oui, c'était ma dernière tenue. Le temps que Emmanuel après, sinon, je défile en sous-vêtements. En ce moment, il y a une super opportunité, un jeu. Et je peux vous dire que si à l'époque, ce jeu avait existé, je l'aurais gagné. Eh bien, si vous nous rejoignez chez Captain Tortue avec trois copines, reste dans le cadre, avec trois copines, ça veut dire voilà. Non, là, on n'est que trois. Donc, il faut trois copines n'importe où en France. Si vous vous inscrivez, vous, avec vos trois copines, avant dimanche minuit, dans l'équipe de votre conseillère, ou si vous n'avez personne, nous sommes là, voilà, eh bien, vous allez pouvoir concourir pour gagner un voyage, où ça, Jessie ? À Bali ! À Bali ! Alors, quand on vous dit ça, vous dites c'est pas possible. Mais bien sûr, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Elle a tout à fait raison. Je peux vous dire que dans notre groupe, il y a toujours quelqu'un qui part. Et bon, moi qui suis là depuis 24 ans. Quelques années. Aux 10 ans de Captain Tortue, je ne te vois pas bien dans le cadre, voilà. Aux 10 ans de Captain Tortue, j'ai eu la chance de partir à l'île Maurice. Aux 15 ans de Captain Tortue, alors il fallait travailler, il fallait monter des équipes, etc. Mais c'est dans la joie, vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est juste qu'il faut avoir envie. Hein. Et aux 15 ans de Captain Tortue, j'ai gagné ce fameux voyage à Bali avec 5 filles du groupe, des révélatrices. C'était tip top. Et j'ai qu'une envie de y retourner. Mais pas seule. Pas seule. On arrive. Voilà. Alors réfléchissez. D'ailleurs, elle est déjà aux couleurs des îles. Remettez vite vers nous. Ouais. Parce que j'adore cette petite blouse. C'est aussi une petite blouse Little Miss. Elle est aussi hyper agréable à porter. Elle est
punchy, elle a du peps, elle est, ouais, elle est hyper agréable et vraiment, voilà, c'est l'hiver, on a besoin de couleurs, quoi, histoire de se donner une bonne humeur, enfin vraiment, c'est top. Et voilà, bah, c'était aussi ma dernière tenue à vous montrer. Il y en aurait plein d'autres, mais on y passerait trop de temps. Après, il faut prendre un rendez-vous. Ben oui. Ou un atelier. Voilà. Un atelier, hein, ça peut être sympa, surtout qu'avec les 15 euros offerts jusqu'au 22 septembre. 22 ? Bon, 22. Alors moi, je vais faire et la naïve. Et ce week-end, il y aura plus de basket. Je vais faire la naïve. C'est quoi un atelier mode, les filles ? Ah oui. Alors, un atelier mode. Tu réunis, tu fais le café. Par contre, tu fais le café, Babette. Hein. Ça, ça va, je tu sais faire. Tu fais le café, oui. Tu réunis trois copines. Même deux, ça suffit. On oui. Est pas trop gourmand. Ouais, ouais. Deux, trois. Et puis, on parle de mode. On parle de mode. De morpho. D'accord. On essaye. Ah, de morpho. On rigole. Oui. Attends, je ne te vois pas là dans le cadre, parce que si on parle entre nous, mais qu'ils ne sont pas avec nous, ça ne va pas le faire. Alors, donc, tu me dis, un atelier mode, c'est il faut deux copines. Deux minimum. Ouais. Moi, je dis trois, parce que comme ça, vous venez à Bali après. Deux minimum. Un café. Ouais, c'est bien. Savoir faire un café. Des biscuits. Des biscuits ou le gâteau si on sait faire. Oui, ça va. Bon, déjà le café, c'est bien. Un fruit éventuellement. Voilà. Bon. Cela dit, okay. le gâteau, c'est après les essayages. Le gâteau, c'est après, surtout pas au chocolat. Parce ouais, il y en aura partout après. D'accord. Ok. Et vous venez chez moi On vient chez toi. Tu viens chez nous. Comme ça, t'arrange. Et si j'habite loin, comment ça se passe? Eh bien, il y a l'e-shop. Ah ben oui, il y a l'e-shop, il y a la boutique en ligne. Oui, mais si j'ai besoin de conseils avant, parce que je sais pas. Mais on est là. Pas de soucis. Ouais, mais alors je fais comment? Je mets un commentaire? Non, tu mets un commentaire. Tu mets un commentaire. Donc c'est entendu, tu mets un commentaire. Là, ici, là. Ah voilà. Et tu mets un petit message privé et je te rappelle. Voilà. Tu as d'autres problèmes? Ouais, parce que la dernière fois, j'avais besoin, je savais plus quelle taille je faisais tout ça. Mais fallait me demander. Ah ben oui. Tout est enregistré. Et peut-être si je t'envoie une photo de moi. Ah ben, tu m'envoies une photo aussi. De toi, de toute façon, je sais combien. Tu sais conseiller. Ouais. D'accord. J'essaie. Ah oh, ben c'est facile alors. Mais tout est facile. Et si ça me plaît pas? Tu m'envoies. Bien, d'accord, ok. Tout va bon, bien. Tout simplement. Oui, oui, c'est facile. Et pour le paiement, vous voyez avec votre conseillère comment elle est organisée. C'est clair, net et précis. Exactement. Eh bien, on vous a tout dit? Je crois. On vous a tout dit. Et puis moi, j'ai toujours envie, vous savez, de dire une petite phrase pour le moral, pour garder la pêche, etc. Alors aujourd'hui, le ciel est couvert. Le ciel est couvert et des fois il est couvert aussi un peu dans votre tête. Ouais. Vous vous dites, oh, c'est l'incertitude, on ne sait pas où on va. Alors, il y a une petite phrase de Eckhart Tolle. Hein, je la connais par cœur. On va se coucher moins bête ce soir. Écoutez bien, viens avec nous. Oui, j'arrive. Voilà. Même lorsque le ciel est complètement couvert, le soleil ne disparaît pas. Il est encore là derrière les nuages et en ce moment, il se trouve ici, dans cette pièce, car ce sont elles le soleil. Dans notre cœur à toutes les trois. Alors, soyez des soleils, rejoignez-nous et on fait une galaxie. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut l'univers.